Hamilton a marqué un point chez Mercedes qui a reconnu son erreur. Alors, c'est sur le développement, du coup, j'imagine. Début de la saison et des tests hivernaux, ils ont montré que la W14 n'était pas compétitive. Hamilton a exprimé sa déception en déclarant que Mercedes ne l'avait pas écouté. Ça, on l'avait traité. Ce qui s'est passé alors, c'est que les mises à jour majeures ont été présentées à Monaco et en Espagne. Ensuite, en Espagne et au Canada, il y a eu des podiums immédiatement. Signe que Mercedes est dans une meilleure situation. Hamilton, avec toute son expérience, il est pour beaucoup, affirme Damon Hill. Ça garantit également que le vainqueur des 103 Grands Prix est un peu plus fort dans la négociation du contrat. Il sait que l'équipe assure ses arrières, qu'elle sait ce qu'elle veut avec lui et qu'elle lui donnera tout ce qu'elle peut. Il a marqué un point cette année, parce qu'il leur a fait admettre qu'ils avaient fait une erreur. Ils ont changé de direction et se dirigent maintenant vers ce qui semble être la bonne direction. Il conduit mieux maintenant aussi. Il se pourrait qu'il ait une voiture avec laquelle il puisse prétendre au championnat l'année prochaine. Ça, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas gagné encore. Hein. Et le contrat est toujours en négociation, comme on l'a vu précédemment. Ça traîne en longueur. Je vous laisse commenter.